Salut à tous et bon retour dans Nioh avec Lushban et bien sûr avec Dark Fight 69. Hé hey, enfoiré, c'est toi qui as pété le réseau. Hé hey, enfoiré. Non, c'est pas lui. Lushban, c'est pas lui, ça doit être lui. Tue-le, tue-le. Bon bah alors, il vient là, oui. Non mais oh. Oui, salut les gens, désolé, bon. Je suis un petit peu énervé là. Il y a eu un petit schmilblick, on a été un peu coupé au cours de la vidéo précédente, donc on a été obligé de la refaire. Bref. C'est les joies de la technique. C'est ça, le Lushban a récupéré le silex auprès de la dame, si jamais vous ne le saviez pas, c'est là qu'on récupère le silex pour pouvoir allumer quelque chose. Et on ne parle pas de ça. Pardon. Pour pouvoir l'allumer. Ouais, mais alors là, je sais pas si on va avoir le temps après de tout. Quoique, après on peut. Si, t'inquiète, je passe en mode accéléré. Soyez prudent. Ouais, non, c'est bon, j'ai récupéré le silex. Ok. Et alors, il y a... faudra juste. Non, pas trop vite non plus, j'ai pas envie d'aller prendre un bain. Alors, pour ceux qui savaient pas, il y avait un Kodama là. Dans le coin. Tout seul. Et on s'est fait des coups. Caché. Et réellement, les amis, on s'est fait des coups là. Le vise pas à l'arc, ça va déco. Chacun son ennemi. Bon, t'as fini de te mettre. Bon, mais je vais t'apprendre à mettre des pains, toi. Non, mais oh. Tiens, t'en as perdu ouais, la mais... tête. Oh. Tu l'avais oublié, lui? Non, c'était pas ça du tout que j'étais en train de regarder. Hop, d'ailleurs, lui aussi, la tête, elle a volé. C'est bon, ça c'est fait. Moi, je récupère les... le pèse, le délicieux pèse. Ah, des munitions d'arquebus, ça c'est bien ça. J'aime l'argent. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Alors. Comment tu demandes comment il arrive à courir avec tout ce qu'il a sur le dos? Il faut aller doucement. Mort. Noyé. Bah ben voilà. Et en plus, lui, niveau 68 et il est tout violet. Faudra qu'on le tue. Doucement. Et tu vas allumer ça et tu regarderas ce qui va se passer. Je sais pas si on le verra de là. On le verra peut-être. On verra. Waouh, j'adore la connexion. Ah, en face là-bas? Ouais. T'allumes la torche qui est là, ça allume celle qui est là-bas. C'est balèze. Bah, il y a un gars, il y a un pencu qui est là-bas qui attend qu'une chose, c'est d'avoir le signal. Vas-y, je suis prêt. Oui, bah, laisse-moi le temps, j'ai pas envie d'aller prendre un bain. C'est pour l'heure. Bah, là, surtout quoi, ça va être que, ça va être que ça, hein, cette map. Où elle est? Allez, viens là mon grand, viens là où il y a du terrain. Ouais. Ah l'enfoiré. Il s'est pris pour un pirate lui ou quoi? Non, il a le... Il a beaucoup de vie cet enfoiré. Recule. Tiens. T'as une sacrée résistance mon gars. Bah il est tout violet hein. Non mais il a surtout beaucoup de points de vie, c'est un sac à PV lui. Faudrait pas qu'on le tue trop près de l'eau, ce serait bête que... Bah ouais, que ça se retrouve tout à la flotte. Et puis alors les 4 non. Points de dégâts, c'est clair que... C'est pour ça que j'essaie de mettre mon méga coup, mais à chaque fois tu me le recules. Voilà. À chaque fois que je te le recule, ça va être ma faute en plus, tiens. Là où tu veux. Quoi? Quoi? Bah moi il est réapparu en fait le gars. Ouais non pas avec moi il... Ah là le chat. Attends bouge pas de là. Ouais ça va les idiots ne manquent pas dans ce monde non mais ça va Ah là 3 points. Drop.
Méga drop. Oui. Oh, un élixir. Ah, tiens, il y en a un autre de planqué là-bas aussi. Ouh, mais oui, il n'y en a pas qu'un. Oui, il n'y en a pas qu'un, et puis de là, on peut voir un Kodama aussi. Mais je crois que la porte s'ouvre celle-là. Je suis pas sûr. Ouais. Mais fallait pas. Ah, bon, d'accord. Ah, oh oh. Wow. Aïe, 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 aïe. Ah, je lui fais des coups à 300 quand même, c'est intéressant. Hein. Ah oui, le katana il fait très très mal. Ouais, un petit. Non, pas un poison, un élixir, ça sera mieux joué. Merci. C'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Ah, tu te fais tirer dessus ou quoi là? Non, non. Ah, j'ai l'impression que tu prenais des flèches. Attends, je vais doucement sur ce pont parce que j'aime pas ce pont. Vas-y, passe devant, si ça tombe, je te le dis. Non, par contre, lui, il faisait un petit somme là. Pas de bras, pas de chocolat. Putain, tu me fais tellement peur sur les bords. Non, bah, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un truc qu'on avait déjà. Ok, super. Désolé, je te connais plus sur les combats sur le sol pur que sur sur des sols dangereux. Bah moi je cherche pas l'exploit et en général. Eh mais justement, moi je cherche peut-être l'exploit, mais au moins je suis entraîné maintenant. Bah c'était voyons. Pour cette mission. Cette mission était faite pour moi. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont morts dans le coin. Ouais, et ben on va faire d'abord pas. Noyé. Okay. Wow. Toi. La 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 la. Oui, alors vous avez peut-être l'impression que je suis spectateur, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le but, hein. Non, non, c'est que là, moi, en fait, j'essaie d'éviter. Là, les là par contre, qu'est-ce de... qu'il me donne en élixir Alors, faut si monter. On va par là-bas, on va direct vers le boss. Hein. Où ça? Là-haut. Par non, là-bas. Ah. De l'autre côté. La porte qui est là-bas, c'est le boss. Telle où il y a les torches, en fait. La grosse torche enflammée. Il va se torcher. Alors, doucement, il y a un squelette. Il y a un gros trou. Voilà. On continue d'avancer. N'empêche qu'on a de la chance, hein. les tuiles elles sont solides. Hein. Ah bah et quand même, heureusement. Ah mais ça pourrait glisser, hein, avec vu comment c'est en ruine. Oui, et puis vu les pompes qu'on a. Là-bas ça nous intéresse pas. Par contre, là-bas, oui. Ah non, c'est juste un effet lumineux. Ok. Ok, alors te rate pas. Voilà. Aïe! Il y a un temple. Ouais. Le temple, on peut le garder. Mais c'est au moins qu'on ait le raccourci, quoi. Voilà les raccourcis. À droite, il y a un squelette. Près de l'eau. Derrière la porte. Ah ouais, il nous tourne le dos. Moi je vais faire apparaître un slime. Hein. Voilà, il est mort. Non, on alors, va pas aller se baigner. Tu peux le voir de là. Regarde, le slime, tu le vois de là. Tu vois ce machin là avec une tête de mort? Dans l'eau? Juste là? Ah, d'accord. Bah, il a sauté d'un coup là, j'ai pas compris. Tu crois que les dégâts d'eau ça marche sur une créature d'eau? Non, mais les dégâts de feu, oui. Là, c'est pas logique, mais bon. je suis d'accord avec toi. Mais faut pas chercher la logique. Mais lui, il est mort de quoi lui? Faire gaffe au trou. À affronter un revenant, noyé, d'accord. Oh. Tu cherches un mur. Et tu crois que allez. Ça je pourrais pas dire. Non, ça lui plaît pas. Recule. Recule.
Bon d'accord. Non. Bah c'est pas ce que je voulais faire, mais ah bah en plus il m'a balancé dans l'eau. Super. C'est pas ce que je voulais faire, je suis resté sur le truc et voilà. Ça par contre c'est en un fait, peu merdique. C'est pour ça qu'en fait le menu, c'est pour ça que je le vire tout le temps en fait. C'est... Il suffit qu'on fasse une ouais, mais là j'ai pas eu le temps. Bon bah je pense ouais, que ça c'est quelle heure. Ouais ça va peut-être être un peu juste pour aller jusqu'au boss là. Sauf si on fonce dessus directement. Ouais mais on va pas rater tous les Kodama et les machins comme ça quoi. Ah oui mais faut que je récupère mon loup. Putain. Et ouais en plus. Bon bah tant pis alors on foncera jusqu'au boss alors. Voilà t'es lancé. Oui okay, lancé. Okay. Ah t'as quand même la poisse hein, ça fait deux fois que tu te fais envoyer à l'eau. Ouais ah, non mais... Ah. Bah il m'a pris mon offrande. Là, oui non mais je sais mais c'est ça doit être un bug récurrent sur ce. Ah mais si à chaque fois il me bouffe une coupelle Aïe 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 dans des. Touche rien, j'ai réactivé un truc, je vais voir. Non. Ok, faut attendre un peu à mon avis, je suis obligé d'attendre un peu. Ouais bah je viens de le relancer là. Ok. On verra. Ouais, en fait, faut que t'attendes un peu avant de le relancer tout de suite, je pense. Sinon, ça. Ils considèrent qu'on est toujours dans la même partie. Effectivement. Je pense qu'on peut le faire, hein, la mission. On peut, mais faut qu'on soit plus prudent. Mais non, mais c'est l'autre là. Et, enfin, c'est vrai que là, leur système de rester sur le. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Et, bon, bah là, de toute façon, on va pas aller se retaper les mecs, on les connaît. On va foncer de l'autre côté. Ah oh oui, non, mais t'inquiète pas. Bon, bah ça me permet de revenir vers copine déjà. Hop, hop. Ouais, ouais, c'est ça. Fous-moi le feu. Elle lui met le feu. Non, la truc elle est allumée, donc ça c'est bon. Non, ça reste allumé. Bon, je passe moi en mode vitesse parce que ça va, j'ai assez confiance en moi. Bah, moi aussi. Quand je le sais qu'il y a des trous, c'est bon. Ah merde, enfin, c'était pas prévu qu'il ramène ses fesses. Ah bah tu. Doucement. Viens ici, viens ici. Voilà. Non mais. Ça c'était pas prévu qu'il se radine. Mais bon, c'est pas grave. Bon bah ça je suis à fond, donc tout ça en fait pour des prunes. Ok. Ça avait vachement la peine. Ah bah ça se peut. Ah, c'est de la merde, mais je peux. Ah oui, mon taureau qui vient te dire bonjour. La porte a dû rester ouverte normalement. Oui, la porte du temple, oui. Mais moi, ce que je vais faire, c'est... Prends ton loup. On va aller doucement pour prendre ton loup quand même. Je prends juste mon loup, commence pas à me péter les noix toi. Oui. Recule. Non moi ça marche pas, c'est obligé que ce soit toi qui l'active. Tape dessus, oh. Hein, ça suffit. On va voir s'il y a... Non, j'ai déjà essayé autre chose, j'ai pas trouvé ce que c'était lui. Non, faut taper tu alors, ok. Ah oh wow. On se... Wow. Eh hey, concentre-toi sur moi mon gros. On se calme là. Ouais voilà, regarde-moi. Regarde ma boule d'amour. Ouais, y'a pas de trou derrière, non ça va. Non t'inquiète. Ah ça aurait été encore plus fourbe ça. Oh bah ils en sont capables hein. Alors là-bas, il y a un truc à mon avis qu'il faut pas déclencher tout de suite. Ah, ça, si. C'est quoi, c'est un gros squelette? Bon, bah voilà. Prendre.
C'est quoi ce machin? Allumé? Bon bah allez, on allume. Ouais. Le on petit met la lumière. Le petit Kodama de l'autre côté. Mesdames, je suis en train de dégager la zone là. Allez. Hop là, et voilà. Je suis un squelette. Tiens, mange. Oui, il fait du dégât lui, hein. Il fait du dégât. Bien, bien joué. Ah, mais il y a encore des sous là, tiens. Hop, voilà. Putain, si on pouvait trouver les thunes aussi facilement, sérieux. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ah. C'est ça. Bon, on est bon pour ici. Je m'occupe d'abord du petit monstre gluant là. Ah, j'ai vu le Kodama, il est de l'autre côté là-bas. Le Kodama. Ouais, il y en a. Ouvre la porte d'ailleurs. Il y en a un là-bas, 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 là-bas. Oui. Tu vois là-bas? Ouvre la porte. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Oui, bah 2 secondes. Oh, mais. On est pressé. Ça sera une vidéo un petit peu plus longue. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Alors, reviens, reviens, reviens. Parce que là, tu vas trop vite. Bah, ouais, tu vas trop vite. Et là, il y a que de l'eau. Là-bas. Bah oui, non. C'est ce que je. Non, 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 là. Quoi, là? Va voir là-bas au fond. Ah là là. Oui, mais on l'aurait fait après. Ah non. Par contre, si tu rentres dans le bateau, je te conseille de faire attention à droite. Ah, il y a encore un petit machin là. Oui, oui, c'est ce qui est par terre, là, allongé. C'est censé être quoi ça, un squelette? D'accord. Non, c'est un omibouzou. Petit. Réellement, c'est ça, oui. C'est un petit omnibouzou. Il les place de manière un peu provocatrice, leur coffre là. Alors fais attention, voilà, passage à gauche. Serré à gauche, monsieur. Alors nous, notre petit bonhomme, il doit être... Bah oui, il est passé, lui. Non, mais ce sera pour après, t'inquiète pas, on y va. Le Kodama? Oui, ouais. Il a un Kodama. Alors, on pourrait employer le système... super facile de marcher sur la poutre pour aller sur le bateau, mais je préfère qu'on continue tout droit. Il y a un temple de l'autre côté, ce sera plus rassurant. Ah bon? Ouais. Ouais, avec un gros bilout au milieu, quoi. Ouais, qui m'a fait très mal d'ailleurs. Fais gaffe, il y a un trou. Ouais, et puis là, avec son cercle de merde, là, je peux pas. Là. Voilà. Là, par contre. Ouais, fais une prière. Fais une prière. De ce point là n'est pas très intéressant par rapport à l'autre. Ça sera surtout ouais, pour éviter de repartir de. Ah tiens, ça a fait popper 2 épées ici. Lol. Hein? Ça a fait d'accord. Popper 2 petits cadavres. Alors, si je marche doucement, c'est pas pour. Mais on va pas chercher le Kodama de l'autre côté? Si, si, mais on est obligé de passer par là en fait. Je préfère qu'on passe par là. Bon bah là si je tombe ça va, on est pas loin. Ouais mais même, ce qui est chiant c'est que ça fait bouffer une coupe. Alors. Hey, un recours sur les toits. Alors soit tu passes par en dessous, je vais passer par là moi. Parce qu'en fait il y a une torche à activer en bas. Mais moi je peux pas les activer, il y a que toi. C'est surtout qu'il y a un ennemi. Allez. Viens voir mon gars. Non, non, attention. Hop, hop. On va pas se baigner, merci. Ouais. Oui, voilà, c'est ça que j'ai peur en fait. Doucement, continue tout doucement. Le mec est mort quand même. Sur la torche. S'il était, il devait tendre le bras et faire je vais allumer le feu. Je me prends pour Johnny. On lui met le feu.
Et voilà. On a allumé les trois torches du boss. Voilà, lui c'est fait. Et t'as décapité un squelette. Voilà. Mais oui, oui. Bon, bah c'est oui. Facile de décapiter un squelette, hein. La tête elle tient déjà plus à grand chose. Ouais, ça veut dire que c'est quand même plus réaliste de décapiter un squelette qu'un humain avec une flèche. Voilà, c'est clair. C'est plus sensé déjà. Enfin, sensé quand même. Doucement. Il y a une poutre. Avec un truc au milieu. Ah mais ils aiment le risque hein, dans ce niveau-là. Hein. Promenons-nous sur les toits. Allez, va te baigner, mon pote. Alors, n'empêche, ils ont quand même mis un méga gros squelette là-bas. Regarde. Mais on va le faire tomber sur le bateau. Hop. Je serais plus rassuré de d'affronter sur un bateau. Sur quelque chose de plus... terre à terre. Exactement. Oui. Et si ah, tu es intéressé, marche, hein. Y a un code... Il y a un Kodama hop, juste hop, là, tiens caché, le voilà. Là-bas derrière. Voilà, chacun son tour. Et là, juste là. Voilà. Oui, je sais que t'es pas le dernier, on sait où il est ton pote. Enfin, il y en a oh encore là, un autre. Non, il en reste encore deux. Il y en a encore deux. Il se réveille? Ah, quand même! Oh, plein de thunes! Par contre, ah, là-bas, il y a un gros balèze. Donc, de toute façon, il faut qu'on aille là, là où je suis. Ouais, il y a un gros balèze de l'autre côté, là-bas. Ah oui, il avec est juste là. Petit Kodama qui est là, doucement. Ouais, il est sur le bord. Hein. T'es pas le dernier, il en reste un autre. Le dernier, comment on fait pour le choper déjà? Alors, on se promène, promenons-nous dans les bois. Ah oui, oula, ouais. Attends, non, non, non. On va d'abord faire les choses dans l'ordre. On va un ouvrir pont la gluant. Porte. Ouais. On va ouvrir la porte qui est là. Enfin, je peux le faire ça. Ça, je peux le faire. Voilà. Ça, tu peux le faire? Ouais. Parce que si jamais je me coince, faut bien que je puisse me sortir. Tu te coinces? Bah, si tu te coinces, toi, t'es éjecté. Alors. Et ensuite, on revient. Non, on revient sur nos pas. Maintenant, on peut aller faire l'autre côté. Par contre le dernier, il y a un autre Kodama, faut juste que je me rappelle comment je l'avais chopé. Parce qu'il est bien planqué cet enfoiré aussi. Allez viens, 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 viens. Voilà. C'est mieux là. Non. Non. Pas de bras, une pas de corne chocolat. De démon, ouais. Eh ça se vend 1500 pièces d'or hein. Une bougie, une amulette. Reste un peu en retrait. Reste un peu en retrait. Il n'y a pas la place. C'est la particularité des combats en souterrain, il n'y a pas la... Oh putain, ouais. J'ai même intérêt à régénérer, moi. Là. Oui. Ah bah un élixir, bah voilà, bah, tu me l'as rendu. T'as un coffre juste caché derrière. Ça a pas marché. Non, faut pas. Que tu le fasses à fond la caisse. Il veut pas. Tant pis. En fait, c'est quand t'as la jauge, en fait, la barre rouge, en fait, faut attendre que la barre bleue soit à la dernière seconde, en fait. Et par là, par là. Ah bah oui, c'est ça. Il y en a un là-bas, le Kodama. Ah, une mission d'Arcubus, ça c'est bien, ouais, parce que je commence à en manquer. Oh, une source! Oui, et un Kodama là-bas derrière. Où ça? Bah, devant toi. Bon, moi je vais prendre un bain en attendant. Hein. J'arrive, j'arrive. Hein.
Ah. Ah, il m'a pas mis que c'était le dernier par contre. Oui, parce que le dernier. Je pars devant, je vais essayer de retrouver comment on le chope. Bon, moi je prends le bonus, hein. Hop. Je l'avais vu, mais comment on le fait pour l'attraper? Parce qu'en fait, il est mis à un endroit assez fourbe. Je crois qu'il faut remonter sur le bateau de l'autre côté en fait. Voilà. Et comme vous voyez, hein, il est déjà perpète les arpions. En fait, là, les amis, je tue juste les ennemis qu'on avait déjà butés vu qu'ils ont réapparu. Ah, il y en a un ici. On récupérera juste après. Le quoi? Attends, je te montre dans pas longtemps. Normalement, tu peux le voir de là où t'es. De là où t'es, tu peux le voir, il est juste là-dessous, en fait, de l'autre côté du petit bateau. Ah oui. Je l'ai vu. Il est pas très compliqué à voir. Aïe. Ah oui, mais c'est que j'avais pas dû pouvoir le prendre déjà. Ouais, si t'actives pas le squelette qui est au milieu. J'active rien, moi je viens, c'est tout. Je fais le. Je repasse derrière toi pour récupérer ce qui traîne. Ah oui, non mais. Fais. Ça c'est petit, c'est un gros. Tant que j'arrive, il y a déjà plus rien. Voilà. T'as récupéré. Non, tu l'as pas récupéré. De quoi? Faut passer par là. Le Kodama, en fait, faut passer là-bas. Derrière le petit poteau. Entre le poteau. On passe là. Bah, j'avais compris, juste oui. Là. On sait jamais. Il y en a certains, ils sont idiots, hein, je te jure, hein, c'est impressionnant sur le réseau. Pas encore. Punaise, mais. Ah, j'ai l'impression de l'avoir tué aucun ennemi depuis tout à l'heure. Bah, je sais pas, il me dit toujours pas que c'est le dernier. Oui, parce que l'autre, c'est justement c'est celui que je vais aller chercher. Il y en a 9 hein, dans cette zone. Déjà. Ah ouais. Si t'as l'arquebuse, élimine le gros à l'armure. Attends, faut que je change parce que j'étais avec l'arc. Hop. Voilà. Bien joué. Bon, maintenant, je vais juste foncer là-bas parce que je crois que c'est là-bas qu'il est le dernier. Je fonce et je te dis. Ah, c'est ça que tu me parlais là. Là, il y en a un de trucs. De quoi? De machin d'eau là. Ouais. Quand tu vois un truc ouais, qui ressemble à de le. À rien du tout en fait. Ouais, un lingot. J'ai trouvé un lingot. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon c'est bah bon, ça va, on le suit à la trace, hein, là où il y a des équipements qui traînent avec du fric, c'est qu'il est passé dans le coin. Je l'ai retrouvé. Alors attention au squelette. Bon, mais toi il te repère pas. Alors. Les squelettes, en je fait, sais pas, c'est les yokai qui m'ont perdu. Mais... Ouais, mais c'est un yokai. En fait, en gros, le Kodama, la dernière fois, j'avais pas fait attention. Il y a une échelle. En prenant l'échelle, alors attends. En prenant l'échelle, oui, je la vois, ouais. Il y a un Kodama juste en dessous. Yep. Le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais attirer le gros en bas. Et toi, tu vas prendre l'échelle. Eh, hey, monsieur le gros. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du travail de l'équipe. Bien évidemment, moi en attendant, je vais faire mon travail, hein, je vais lui éclater la tête. Hein. Voilà, cette fois, c'est bon. C'est pour ça que je suis payé après tout. C'est pour ça que tu viens de faire des points sur mon dos. Voilà. Bon, alors toi, t'es passé là-dedans en fait. Voilà. Voilà. Sur une zone qu'on a déjà fait. Ah oui, c'est vrai, y'a toi. Bonjour. Ok. Bon alors une arme d'eau okay. Contre un boss d'eau, je sens qu'on va rigoler. Est-ce que c'était le dernier? Oui oui. Cette fois c'est bon. On peut aller taper le boss. Ouf. En espérant qu'il y a assez. Ah, attention, il y a encore un archer.
Ouais, mais bon, l'archer, c'est pas un danger. Voilà, finalement, il y en a plus. Voilà. Vu Bon, comment par tu m'as contre, j'ai plus de éclaté. munitions d'arquebuse non plus, mais bon. Mais c'est pas vrai! Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Pas possible, ça! Si, si, j'en ai plus. Oh! Donc, cette fois, on a chopé tous les Kodama. Bon, parfait. Bon, bah, on peut aller au boss. Allez. Bon, l'épisode sera extrêmement long, hein. Je pense, oui. Si ça se trouve, ça fait peut-être 1 heure. Non, parce qu'on a recoupé au milieu, mais il fera pas loin, de mon avis, de 40 à 50 minutes. Ouais. Désolé, les Après, amis, tout pour dépend ça, du mais temps alors qu'on va vraiment. mettre à battre le boss. Si tu restes loin du bord au début du combat et que t'évites tes attaques, ça me va. Ah, mais je peux même te laisser faire si tu veux, hein. Alors, n'approche pas les torches. J'approche pas les torches. Ouais, attention à esquive. Esquive, esquive, esquive. En fait, voilà ce qu'il faut Wow. esquiver. Ça te tue en un coup. Allez! Ah mais il y a des Et en trous en fait, en gros, plus. il... voilà, il arrive. Ah ouais, je lui fais que dalle avec ça, moi. Je vais peut-être changer d'arme Blablabla. parce que là, je lui fais rien du tout, là. Non, on évite le bord. T'inquiète, hein, je lui fais pas plus de dégâts que toi. Ouais, j'ai Ah bah, je poté suis tout. mort. Ah, super. Bah, bonne chance. Super. Vas-y, Loujban, je t'encourage. Je ne suis plus là pour t'aider. Super. Je me Ah, puis suis pris un one alors shot. là. Oh là là. Je me suis. Aïe, il m'a Ah ouais, puis noyé. alors là, je lui fais quoi? 19 points de dégâts? Ah bah, je suis pour arriver là. Bah, c'est ce que je lui faisais, hein. Pas te mentir. De toute façon, au pire, si tu Ouh! perds. Bah. Si tu perds, on n'aura plus qu'à affronter le boss et voilà. Hop! Bon, pour l'instant, je maintiens, mais. C'est vrai que comme je connais pas ces. Mais en fait, cette phase, c'est toujours la même chose. Sauf que quand il sera au milieu, parce que quand il arrive à la moitié de vie, il se met au milieu de la map. Il fait un saut qui peut te... Il fait un saut. Il va se rétrécir. Et juste après, il peut se regrossir d'un coup, mais ça te fait des dégâts. Ah ouais, je lui ai fait 8 points de dégâts. Ah ouais, super. Ah ouais. Bon bah c'est bon, je crois que je suis mort. Ouais, je me laisse crever. Voilà. Bon, désolé les amis, on va arrêter la vidéo là, hein, parce que sinon ça va être un peu long. C'est exactement ça. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc on vous dit à bientôt. Bien sûr, comme une nouvelle fois, c'est sur une mort de Loujban, comme d'habitude. Mais Non, les n'hésitez deux pas là, nous deux. à commenter, à partager, à vous abonner et à liker. En attendant, on vous dit salut à tous, la suite au prochain numéro. Salut tout le monde, je suis blasé.